Bonjour, bienvenue pour une vidéo du journal tout sur les jeux. Alors, la Xbox 360 a baissé de prix. Maintenant, elle coûte 199 euros. Et aujourd'hui, de ce qu'on va parler, c'est de Rayplay, le nouveau jeu. Bon, les nouveaux jeux, c'est une sorte de jeu. Et aussi de Indiana Jones 2007. Et bon, voilà, on se retrouve tout de suite avec Jonathan de Rayplay. Bonjour, alors maintenant, on se retrouve avec Jonathan qui est ici. On va parler du jeu Rayplay. Voilà, donc le jeu Rayplay, c'est un jeu qui fait un peu se jouer comme pour la... Oui, en fait. Donc c'est un... Comment on dit ? En fait, c'est un petit... comment peut-on appeler ça ? En fait, c'est un petit pack comme ça, on a le jeu, et alors, par exemple, si c'est un jeu de billard, alors il donne avec une queue de billard, quasiment, comme une queue de billard, carrément. Et alors on place un petit capteur comme une clé USB dans la PS2 et alors à partir de ça la queue de bière va être captée par le jeu PS2. Donc c'est un peu comme voilà, ça donne un peu comme Wii, mais sûr que c'est pour PS2. C'est un peu une copie de... C'est pas une copie, finalement. Mais c'est un peu le genre. Enfin, c'est aussi un contrôle. Voilà. Mais c'est pas mal du tout. Ça coûte, d'après ce que j'ai pu voir, c'est dans les environs de 45 euros. Mais pour un seul ou tout ? Non, pour un seul. Alors, on a le choix entre le billard, comme je vous l'ai dit, le golf, qui est aussi le volant. Il y a aussi, pas vraiment comment appeler ça, mais en fait c'est une petite bille qu'on doit diriger comme ça. Non, qu'on met et qu'on doit la diriger. En fait on a un petit... C'est un jeu de plateforme là, c'est plutôt plateforme ça. Et là on a un petit... On doit diriger la bille. C'est... Oui. Donc... Voilà. Enfin, de toute façon on va voir quelques images en passant. Voilà. C'est sorti le 30 novembre. D'après ça. Ouais. Mais j'ai pas encore pu jouer vraiment, mais j'ai pu voir pas mal de choses sur le jeu. Les graphismes sont pas mal du tout. Pas mal. C'est vrai, j'ai pas entendu beaucoup de choses sur ce jeu, mais je l'ai vu au magasin. Alors j'ai reçu une. Ouais, je l'ai pas commis la page 2, mais je vais la rajouter. Après, si vous voulez voir des images ou des vidéos, vraiment, c'est Show News, je vous en prie. Enfin, oui, je vais le mettre. Mais pour le moment, il est Show News, donc ça va être changé après. Alors, il sait que tu passes... À quoi on va passer ? Mais maintenant, on va passer à Indiana Jones. Voilà. 2007. On voit quelques images vont défiler. Et qui va sortir sur Xbox 360, PC et PS3. Oui, tout à fait. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Ben, je sais que c'est le fameux Indiana Jones. Oui. Qui n'est pas basé. Ouais. Qui sort en même temps que le film, mais. Le nouveau film d'Indiana Jones. Oui. Enfin, je sais pas ce qu'il croit, mais moi, pas surtout. Oui, mais. D'après ce que je sais, c'est qu'il est très bien, quoi. Ouais. Voilà. Et. C'est. Sauf que le scénario ne va pas. Allez, il raconte le scénario. Oui, mais il rejoint pas vraiment le film. Et. Oui. Mais il va sortir bientôt. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Ben, il n'y a pas vraiment dire vraiment le truc, mais le jeu, le truc qui promet d'être bien, il ne faut pas confondre Indiana Jones 2007 avec le Lego Indiana Jones. Oui, qui va sortir. Parce que Indiana Jones 2007 ne va pas vraiment sortir. Va sortir plutôt en 2009. Parce qu'ils sont encore en cours de développement. Oui, mais bon. Il y aura bientôt des prévus. Oui, mais les Indiana Jones, il est déjà... C'est bien. Quatrième trimestre, oui. Vers... 2008. Ouais, quatrième trimestre 2008. Ouais. Ouais, il est en production depuis 2 ans déjà. Oui, 2 ans. Oui, mais c'est... Mais oui. Le jeu ne sortira pas avant 2009, ça... Malheureusement. Oui, mais... Il promet d'être un bon jeu, hein, d'après les images. Les graphismes, franchement, oui. Franchement, les graphismes. Ils utilisent un nouveau moteur de graphisme, donc ça. Ouais. Et on va voir ici quelques images. Voilà, ce sont les images de film derrière. Enfin, j'ai reculé comme ça, vous voyez. Oui. Moi aussi. Voilà. Bon. Et si vous voulez voir un peu plus de choses, pour le moment, je l'ai mis sur le news. Lisez le texte. Qui est écrit par moi. Ouais.
Et qu'est-ce qu'on on te parlait de quoi encore? Ah oui, là, alors là je vais parler d'un truc qui est vraiment extraordinaire. C'est la Xbox 360 qui ne coûte plus que 199 €. Mais ça, on l'a déjà dit. Mais il faut, je vais un peu faire expliquer. En fait, c'est Microsoft a annoncé qu'elle allait plus que coûter 199 €, mais c'est seulement ce qu'ils ont. Il faut préciser, c'est que c'est seulement la Xbox Arcade. Donc tout parce qu'il y a plusieurs sortes de Xbox 360. Il y a la Xbox 360 en arcade, celle-là, 109 €. Il y a celle d'Elite aussi, mais qui coûte 300 et quelques. Je sais pas plus le prix, mais ça coûte plus cher, quoi. Enfin, elle est mieux. Enfin, mais si vous voulez vraiment, enfin, c'est quand même intéressant, quoi. 109 € pour une Xbox, pas cher, hein. Comparé à avant, elle coûtait combien? Plus ou moins. Vers 400-300. Ouais. Ouais. Et donc c'est Microsoft, oui. Même, ils ont surtout fait ça parce que la Xbox, la PS3, faisait de la concurrence à Xbox, parce que les gens préfèrent. Mais là, vu qu'elle va être moins chère, ils vont essayer de relancer les ventes de la Xbox. Mais qui est une, c'est quand même une bonne console. Hein. Ouais. Elle est pas mal, mais pour faire la PS3. Hein. Bon, mais là, on va pas parler de ça. Enfin, ça, on parle un peu de la. Ouais. Ça peut dire, enfin, ça peut pas. Enfin, c'est les avis des gens, c'est pas voilà. Ça. Mais bon. Et voilà, et votez au sondage. Voilà. Bon, c'est une petite vidéo, pas petite, mais une grande vidéo. Ah oui, moyenne. Oui, bon. Du journal de sur les jeux, et on se retrouve pour d'autres vidéos. Voilà, et on just a linear level, no, like that's our, that was our Manhattan, that's our New York City. And it has to be on like a main story mission. But in between, like you saw in the raft, or we showed that back at last E3, you can just swing around New York City and have fun. Let's go to that footage, because we have it running here on the main monitor. We'll go to it in just a second. This is the beauty of the live environment. Yeah, this, oh god, oh, this, so good. This is great, I got my own little TV, this is perfect. Yeah, I got it all. Yeah, Adam's doing a fantastic job so far, it's been really good. So first of all, you're actually playing this right now. Yeah. That's right. And I do want to emphasize how beautiful this game is. Oh, thank you. Well, yeah, Brian, tell me a little bit about what you guys want to show us this evening. So I think, I mean, the big thing is, again, you know, I think... The peach is unstable. Yeah. Existing in separate states of flux. But otherwise, everything here is just fine and dandy. Wait, I take that back. Mamma mia! Sonic is dead. Oh, look, it's Joel from Sweden. Go! Joel is dead. What's up, guys? Welcome to my blind playthrough of Sekiro. Here we go again. Surprise, motherfucker! Get the fuck down from there! I can break these cuffs. You can't break those cuffs. Really, nigga? Out my way, son! I'm not yet! Commandos! Dead in the commandos! Super Keeper! Mr. Peach! No! You! やるじゃないか。ゴクレイム！ああ、そして、ああ、ゴクレイム！